Salut les coureurs, aujourd'hui on va faire le troisième format de j'analyse le plan de mes abonnés. Format un peu spécial parce qu'on va pas directement analyser le plan d'un abonné comme on avait pu faire avec Adrien la dernière fois. Euh, ce qu'on va faire, c'est qu'on va analyser le plan du marathon de Paris, le plan officiel qui est disponible gratuitement sur leur site. Comment j'ai eu l'idée C'est tout simple, en fait c'est Romain euh, qui m'a envoyé un petit mail. Il m'a dit est-ce que tu peux regarder euh, ces plans là Du coup Romain il m'a contacté parce qu'il veut faire sous les 3 heures au marathon, en fait entre 3h et 3h15. Euh, il a déjà un record personnel de 1,28 au semi-marathon, 41,24 au 10 km et environ 20 minutes au 5 km. Donc pour atteindre son objectif, en fait, Romain, ce qu'il s'est dit, c'est qu'il allait piocher à la fois dans le plan du marathon de Paris, le plan officiel, mais aussi dans un autre plan proposé par un YouTuber anglophone que vous connaissez peut-être, Seth James. Juste une petite note là-dessus, Romain, je ne vous conseille pas nécessairement de piocher dans plusieurs plans, la raison elle est simple. Quand on fait un plan, il y a une philosophie derrière. Moi, quand je fais un plan, il y a la philosophie du volume. Euh, J'ai la croyance que le volume, ça fait partie des facteurs les plus importants. Du coup, le plan il est orienté comme ça. Si vous prenez mon plan et que vous allez prendre le plan d'un autre coach qui a une philosophie plus intensité et que vous mettez les deux ensemble, vous allez avoir un plan qui est peut-être beaucoup trop dur parce que vous allez avoir un plan avec beaucoup de volume et beaucoup d'intensité et du coup, on perd un peu de la cohérence. Donc, au lieu de mélanger comme ça plusieurs plans, euh, je vous conseille plutôt de prendre un plan et de vous y tenir à 100%. Comme ça, vous êtes sûr que si ça à foirer, c'est peut-être parce que le plan n'était pas bon ou alors que vous n'avez pas tout fait ce qu'il fallait à côté. Mais l'avantage c'est que vous savez quoi regarder après votre préparation euh, pour améliorer votre prochaine saison. Donc voilà, gardez de la cohérence et évitez de piocher dans plusieurs plans. Je trouvais intéressant de regarder le plan officiel du Marathon de Paris parce que ce plan il est probablement suivi par bah, des centaines, des milliers, peut-être même des dizaines de milliers euh, de coureurs. Du coup ce que je vais regarder c'est est-ce que ce plan fait du sens, est-ce qu'il est bien construit, encore une fois hein, à mes yeux, euh, est-ce que je le recommanderais pour des coureurs qui veulent courir quand même des temps rapides comme 3h, 3h15 au marathon, c'est ce qu'on va voir ensemble euh, bien sûr comme d'habitude il faut prendre en considération que c'est mon avis avec mes lunettes de coach et euh, toutes les croyances que j'ai autour de la course à pied ça va pas être une critique du coach, c'est vraiment le plan qu'on regarde, je suis pas mal sûr qu'Olivier il avait plein de contraintes puisque c'est un plan très générique qui s'adresse à des dizaines de milliers de personnes donc forcément ce genre de plan peut pas être super personnalisé, il doit rester généraliste et vous allez voir que c'est aussi un des problèmes euh, des plans qui sont trop généraux l'autre truc à garder à l'esprit c'est que c'est un plan gratuit D'accord C'est un plan gratuit en 10 semaines. On ne peut pas non plus s'attendre à des miracles quand le plan est gratuit et qu'il est aussi généraliste. Mais voilà, dans cette vidéo, je ne vais pas prendre des pincettes parce que c'est un plan gratuit. Alors, on va faire comme si ce plan-là, euh, c'était un plan euh, fait sur mesure pour Romain et on va voir si c'est une bonne idée que Romain suive ce plan. Bon, le premier truc qu'on peut voir avec ce plan, c'est qu'il est esthétique et ça, ça fait plaisir. Je vous en avais parlé justement de cet aspect-là quand j'avais critiqué le campus sur ma première vidéo de ce format. Il y en a pour qui ça va pas compter. Personnellement, je trouve ça cool que ça soit un petit peu esthétique parce que justement, c'est un truc qu'on va regarder tous les jours, voire plusieurs fois par jour si vous courez deux fois par jour de temps en temps. Et le fait que le plan donne envie, bah, c'est une petite motivation qui se rajoute. En attendant, c'est quand même le fond qui est le plus important. Donc, même s'il y a eu des designers derrière, maintenant ce qu'on va regarder, c'est est-ce que ça fait du sens. Donc, on va commencer par regarder une semaine type. Donc, on va regarder la semaine 1. Donc, voilà, c'est un plan sur 10 semaines. Bon, 10 semaines, c'est pas beaucoup. Et le problème avec 10 semaines, c'est que ça dépend d'où vous partez. Si vous revenez de deux semaines de pause et que vous voulez faire un marathon et que vous commencez direct avec ce plan, Uh -uh. Je pense que c'est un problème parce que honnêtement, si vous arrivez avec un niveau de forme trop bas, vous allez voir que ce plan il commence très 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 vite, très costaud. Il euh, y a moyen que vous vous cramiez ou alors que vous finissiez pas votre préparation. Et ça, c'est peut-être la première critique que je vais avoir. Je trouve un peu dommage qu'il n'y ait pas eu plus de conseils, plus de recommandations au niveau du plan, comment l'exécuter et tout. Juste une petite phrase sur euh, pour commencer ce plan, faut que vous ayez tel niveau de forme il faut que vous ayez couru par exemple, je sais pas, 10 semaines. Ça aurait pu être bienvenu parce que là, la personne arrive, va le faire le plan, mais encore une fois. Qu'est-ce qu'elle a fait avant Bonne question. Si elle revient de réhabilitation aussi, ça peut être problématique. Bref, du coup 10 semaines pour préparer un marathon. Personnellement, j'aime bien préparer un marathon en 20 semaines, voire plus. Encore une fois, ça dépend des gens. Là, on parle quand même d'un objectif de 3h, heures, 3h15. Heures C'est quand même un temps de performance. Il y a beaucoup de gens qui rêveraient de faire ce genre de chrono. Donc, il faut quand même faire une prépa sérieuse. Donc, on part sur 4 à 5 entraînements par semaine. 4-5 entraînements c'est ok, j'ai pas de problème, je préférerais 5 ou 6 que 4 ou 5 mais ça peut se faire quand même puis ça dépend de où vous partez aussi bien évidemment donc dans la structure générale donc on a toujours un fractionné, c'est la séance 1 un fractionné qui va être souvent des intervalles longs donc ça c'est un gros point positif, j'en reparlerai on va avoir des intervalles de 1000 mètres, 2000 mètres, 3000 mètres voire 5000 mètres ça c'est très bien, surtout pour préparer du marathon ensuite séance 2, on va avoir une heure d'endurance à allure 1 ou 2 donc les allures elles sont notées en bas puis elles font du sens hein. donc rien de spéciale, un footing de 1 heure c'est vraiment la base pour courir un marathon Ensuite séance 3, on va voir des côtes. Alors là, ça va être le premier petit hic hein, à mon sens. Séance de côte, j'ai pas de problème. Séance de côte toutes les semaines en build-up marathon, je suis pas certain que ce soit nécessaire, surtout si ça remplace une séance de qualité avec du plus long. Donc là la séance de côte qui est proposée, c'est 15 fois 20 secondes en côte euh, avec récupération en descente au trot. Les séances de côtes, moi je trouve que c'est intéressant notamment pour les coureurs de 3000, 5000, 10000. Pour les autres coureurs on peut faire des côtes comme des sprints ce qui va être intéressant pour euh la technique de course pour l'économie de course enfin bref pour plein de choses pour aussi euh, la réactivité du pied avoir une cadence un petit peu plus élevée souvent les débutants ont une cadence trop faible bref ça peut être utile par contre si on prépare un marathon il faut développer le système aérobie et surtout euh, les muscles parce qu'un gros facteur limitant en marathon c'est musculaire après le 30e kilomètre souvent c'est pas un problème de souffle c'est un problème d'endurance musculaire donc des côtes de 20 secondes ça va clairement pas être spécifique pour le marathon je dis pas que ça peut pas aider je pense juste que cette séance devrait pas nécessairement prendre la place d'une autre séance. Ensuite séance 4, on va avoir un repos ou un footing. donc là on laisse le choix au coureur de faire 1 h10 d'endurance ou rien. Et en fait c'est un peu la critique que j'ai, c'est qu'on met une séance de côte obligatoire d'accord, Mais on dit au coureur que ça va être optionnel de courir 1h10. Alors que je ne sais pas ce que vous en pensez, mais si vous voulez faire un marathon rapide, là on parle de 3h3h15, c'est plus important de faire votre footing de 1h10 tranquille qu'une séance de côte à mon sens. Donc là, je ne suis pas forcément d'accord avec le parti pris. Après, c'est correct, hein, on est aussi là pour euh, trouver des solutions. Et séance 5, ça va être la longue run. Donc là, il y en a euh, toutes les semaines, c'est la dernière euh, séance de la semaine. Donc première longue run de la saison, on a direct une séance 4 fois 10 minutes, pace marathon. Bon, là, il y a un truc que je trouve quand même dur, c'est que imaginons, le gars, il prend ce plan-là, il revient de blessure, ou je ne sais pas, il a fait euh, deux semaines de pause, ça fait qu'une ou deux semaines qu'il court. Il attaque ce plan, et la première semaine, boum! 1h30 d'effort avec 40 minutes pace marathon sachant qu'en général le pace marathon on veut pas le faire trop tôt dans la saison euh, parce que le but c'est de courir 4h36 le jour du marathon donc petite précision hein, pour courir 3h15 au marathon il faut courir 4 minutes 36 par kilomètre, ça prend une VMA à peu près de 16 km heure donc à mon avis c'est soit un peu trop long soit un peu trop rapide et je trouve que c'est trop tôt dans le plan et d'ailleurs il y a un truc que je voulais vous dire tout à l'heure sur la première séance je sais pas si vous avez noté mais 5 x 1500 en 5,53. Bon, vous avez sûrement pas fait les calculs moi non plus, puis je les ai faits. Et 5,53 au 1500, ça fait 3,55 par kilomètre. En gros, première séance du plan, on demande au coureur de courir 5 x 1500 mètres à son pace 3000. Ça est à peu près euh, 96% de sa VMA s'il avait déjà son niveau optimal en début de prépa, ce qui est probablement pas le cas. Je sais pas ce que vous en pensez, mais 5 x 1500 pace 3000, ce n'est pas une séance que j'aimerais faire. Je pense que j'ai jamais fait une séance aussi dure de ma vie, et là on la met dans une prépa marathon en tout début. Je ne sais pas si c'est une erreur euh, au moment de faire le plan ou si c'est moi qui ai mal calculé, vous me direz, mais je comprends pas trop euh, l'idée de cette séance. Pourquoi elle est aussi dure 5 x 1500 c'est bien, mais autour du seuil, surtout en début de prépa, pas allure 3000 mètres, clairement c'est trop difficile. L'autre critique que j'ai, c'est de mettre un pace marathon en tout début de prépa. En tout début de prépa, on préfère soit mettre une cote d'effort, par exemple 7 sur 10, ou alors, on veut un peu sous-estimer le pace marathon pour être sûr qu'on a une petite euh, marge en fait et pas s'entraîner trop dur. Le problème avec ce plan, c'est qu'on demande au coureur de courir à son allure spécifique marathon dès la première semaine et cette allure elle va pas évoluer tout au long du plan. Donc, c'est clairement une des grosses critiques que je vais faire euh, à ce plan. Ensuite, on pouvait voir hein, dans la séance 2, je l'ai pas dit tout à l'heure, mais 10 minutes d'étirement euh, dans les recommandations. Bah, personnellement, vous savez ce que je pense des étirements, j'en ai parlé dans ma dernière vidéo sur les mythes en course à pied. Si ça fait du bien, ok, mais j'irai pas l'inscrire sur le plan non plus parce que des fois les coureurs ils aiment bien prendre au pied de la lettre le plan et là si la personne arrive et boum fait ses 10 minutes d'étirement et qu'en fait ça lui va pas, puis encore une fois faut faire bien les étirements aussi, il y en a qui vont les faire trop longtemps, qui vont se faire trop mal, enfin bref. J'ai l'impression que des fois, on a plus à perdre qu'à gagner dans les étirements. Fait que j'aurais enlevé ça du plan, pas nécessaire selon moi. Et j'aurais préféré mettre euh, séance de 1h, heure 10 d'endurance obligatoire euh, versus les étirements ou les côtes. L'autre truc que j'ai remarqué dans ce plan, et je trouve un peu dommage, c'est qu'il n'y a pas les charges d'entraînement en fait par semaine. Je sais pas pour vous, mais moi j'aime bien savoir... Combien je dois courir dans la semaine ou combien de kilomètres je vais faire. Je préfère un kilomètre, Je ne sais pas si je trouve que c'est plus motivant. D'une part, il y a l'aspect motivationnel. Mais d'autre part, je pense que c'est bien de donner un peu de l'autonomie au coureur. Je pense que c'est important qu'il comprenne que la charge va augmenter, que des fois elle va baisser, etc. etc. Alors je sais qu'il a sûrement planifié cette charge en amont et tout et qu'on ne le voit pas. Mais je trouve quand même que c'est intéressant de le mettre sur le plan pour le coureur et vérifier que tout est bon, etc. Bref, je voulais vous montrer une autre séance que je trouvais encore trop difficile. C'est à la semaine 7, 3 x 3000 en 12-27. Donc 3 x 3000 en 12,27, on est sur du 4,09 de moyenne, soit entre l'allure 5K et 10K. Perso, encore une fois, je trouve ça trop dur. Euh, 3 x 3000, c'est-à-dire 9 km allure entre 5K et 10K, c'est une séance que je n'ai jamais faite personnellement. Donc on voit qu'il y a un petit problème au niveau de comment étaient fixées les allures, je ne sais pas comment ça a été fait, mais... Globalement, il est trop dur ce plan au niveau des intervalles longs. Et c'est dommage parce que les intervalles longs sont excellents. Euh, il y en a beaucoup. Euh, 3 x 3000, 2 x 4000, 5000. Euh, il y avait aussi 8 x 1000. Bref, je trouve que c'est des très bonnes séances, mais malheureusement, les allures sont trop rapides, surtout pour un marathonien. Donc moi, j'aurais mis plus proche du pace semi entre le pace 10 si c'est vraiment court, comme des 800 mètres ou des 1000 et encore plus pace 15 peut être et le beaucoup de pace marathon sur des 10 minutes, 12 minutes, etc. Ensuite, après euh, les 5 premières semaines, à la place des séances de côte, on va avoir des séances de VMA semi-longues avec un 10 x 800 par exemple ou un euh, 12 x 500 ou encore un 8 x 600. Ces séances-là, je trouve qu'elles sont très bien. Ça permet de travailler euh, la puissance un petit peu plus, plus proche du pace 5 km. Ça va faire en sorte que vous allez être plus à l'aise aussi à votre allure marathon. Au niveau des allures sur ces séances un peu plus courtes, si on prend par exemple le 12 x 500, 1,51, on va être à peu près sur du 3,40 par km. C'est environ le pace 1500 pour un coureur qui fait 3,15 au marathon. C'est quand même rapide, mais sur 500 mètres, ça fait du sens. J'aurais encore une fois peut-être plus mis du pace 3000 ou 5000, même pour des 500. Mais on voit quand même qu'il y a un parti pris dans ce plan pour plutôt l'intensité que le volume, ce que je trouve un peu dommage parce que. En général, le marathon c'est pas un problème de vitesse. On le voit, hein, les coureurs font des 5 et des 10 beaucoup plus rapides en équivalence que leur marathon, ce qui démontre que le facteur limitant c'est le volume et c'est aussi euh, faire des intervalles longs et du marathon spécifique. Donc un truc qui aurait pu être simple, qui aurait pu éviter en fait ces erreurs, c'était de mettre des codes d'effort. Souvent on se prend la tête à hein, essayer de calculer des allures précises, alors que si on fonctionne avec des codes d'effort pour les entraînements de qualité par exemple 6 sur 10, 7 sur 10 et 8 sur 10, qui sont les principales codes d'effort que vous devriez faire sur les séances d'intervalle, bah en fait on ne se trompe pas. Votre allure sera ce qu'elle est. Et surtout le gros avantage, c'est qu'en début de prépa, vous faites une code 7, ça va peut-être vous donner 4,40, 4,45. Et en fin de prépa, vous faites une code 7, ça va vous donner par exemple 4,30 ou 4,35 sur des longs intervalles. Donc, en fait, vous faites le même effort, mais comme votre forme augmente, bah votre pace va augmenter aussi. Ça évite de se prendre la tête avec sous-estimer la VMA en début de prépa, puis après la réétablir quand votre forme est meilleure, etc. Ensuite, j'ai fait un petit schéma pour voir si la charge était progressive. Donc, même si elle n'est pas marquée, j'ai évalué, j'ai fait les petits calculs pour voir à peu près combien de kilomètres ça donnait par semaine. Donc, vous voyez qu'au euh, niveau du volume, ça fait du sens. Les trois premières semaines, il y a une augmentation progressive qui fait plaisir. Ensuite, on a quand même une grosse baisse. Je trouve que c'est une trop grosse baisse, mais en vrai, c'est un détail. C'est pas si grave après, ça remonte, ça remonte, ça remonte. Ça, ça c'est cool. Par contre, je pense que ça descend trop tôt. Là, on peut voir qu'il y a trois semaines de taper pour un marathon. À mon avis, c'est un peu trop. On veut pas effriter trop le système aérobique. On veut vraiment garder le coureur fit et on veut vraiment réduire au dernier moment en épongeant un peu la fatigue sur les dix derniers jours ou les 14 derniers jours. Donc, ce que j'aurais fait, c'est la plus grosse semaine en fait, deux semaines avant euh, la course et j'aurais du coup réduit bah, les deux semaines avant, quand même beaucoup, donc à 70-75%, ça dépend des gens. Faut pas réduire trop non plus parce que. Si vous réduisez trop, ça arrive souvent de défriter le système aérobique très vite. Et pour le marathon, on ne veut pas nécessairement avoir des jambes fraîches, c'est pas très utile. Euh, j'ai fait mes meilleures courses avec des jambes super loadées, même pendant le taper. Et en général, même la veille de la course, j'ai toujours pas des super jambes et ça ne m'empêche pas de super bien performer. Je reviens aussi sur les sorties longues parce qu'on n'avait pas vraiment regardé ça ensemble. Donc comme je vous montrais tout à l'heure, il y a des entraînements spécifiques marathon très tôt en fait, euh, dans le plan. On voit par exemple que la deuxième semaine, c'est juste 1h45 facile. La semaine d'après, on part sur un 4 x 15 minutes allure marathon. Donc j'ai pas de problème avec ces séances, je les trouve bonnes, je les trouve juste trop tôt dans la saison et je trouve que le pace est trop rapide considérant que... 4,36 c'est l'objectif idéal le jour de la course. Ensuite, on va avoir une proposition de faire un semi-marathon à la semaine 5. Alors ça pour le coup, je trouve que c'est une bonne idée de ne pas le mettre trop tard. Je trouve que c'est une erreur de mettre un semi-marathon euh, 3 ou 4 semaines avant parce que ça empêche de faire plus de volume. En général, il faut baisser la charge avant, il faut baisser la charge après, ça génère de la fatigue et ça nous empêche de faire des grosses semaines. Donc si vous faites un semi-marathon, faites-le plutôt... 5-6 semaines avant votre marathon, comme ça, ça vous laisse un bon 3-4 semaines pour vraiment enchaîner les belles semaines et avoir un gros gain de forme. Une petite incohérence que j'avais notée dans cette prépa, c'est qu'à la semaine 6, on propose 3 fois 20 minutes. Donc ça, c'est une séance dans la long run. Là, c'est une bonne séance, je n'ai pas de problème avec ça. Le truc qui est étrange, c'est que deux semaines plus tard, c'est-à-dire à la semaine 8, on propose une séance équivalente, 4 fois 15 minutes allure marathon. Le problème, c'est que cette séance, elle est plus facile. Et c'est pas logique de mettre une séance plus facile deux semaines plus tard. C'est plus facile de faire 4 fois 15 minutes, ce qui fait 60 minutes à l'heure marathon, que 3 fois 20 minutes. Donc perso, en fait, j'aurais juste inversé les deux. J'aurais mis le... 3x20 minutes qui est plus spécifique à la semaine 8 et l'autre à la semaine 6. C'est un petit détail, mais on s'entend que pour faire 3h15, il faut quand même avoir le souci du détail parce que c'est quand même une grosse perf à aller chercher. Finalement, on peut voir qu'il y a le conseil du coach sur la deuxième page. Le premier conseil du coach, c'est de tester les ravitaillements durant votre long run. Donc, ça, c'est très bien et il a raison là-dessus. Il faut tester les produits que vous allez utiliser le jour de votre course pour être sûr que tout va bien. Donc, ça, super. Par contre, le deuxième conseil, c'est de faire quelques footings à jeun pour mieux habituer votre corps. C'est un peu comme les étirements. Personnellement, je pense c'est pas nécessaire, je cours jamais à jeun. Durant mon marathon, j'ai pas couru une fois à jeun, ça m'a pas empêché de faire un 2h19. Euh, sachant que ça peut être problématique d'avoir un déficit calorique. Si vous partez 1h20 de course le matin et que vous avez encore rien mangé, et que je sais pas, il est 9, 10, 11 h et que vous avez un déficit de 2000 calories, bah ça va être dur à aller chercher. Et avec un déficit calorique, ça va rendre la prépa vraiment difficile. Peut-être que vous allez vous blesser ou alors ça va juste vous écurer, Donc je vous recommande pas nécessairement de courir à jeun, surtout si vous êtes pas dans des temps vraiment rapides et encore. Comme je vous disais, moi je le fais même pas, donc euh, potentiellement vous n'avez pas besoin de le faire non plus. Donc voilà, je vais vous faire un petit résumé de ce que j'ai dit. Donc au niveau des trucs positifs de ce plan, bah, voilà, il y a le design que j'aime bien, ça donne envie, c'est quand même clair où sont les séances et tout, donc ça c'est cool. Euh, deuxième point positif, les intervalles longs. Il y a beaucoup d'intervalles longs et ça, ça va vraiment vous aider à progresser. Euh, troisième point positif, il bah, y a la progressivité de la charge en termes de volume. Il y a une belle progressivité, les courbes font du sens, même si je pense que euh, le taper a été fait un petit peu trop tôt. Et au niveau des points négatifs, on en a noté plusieurs, le premier, le gros problème c'était les problèmes d'allure, elles ont été fixées trop rapidement, c'est beaucoup trop vite pour la plupart des séances euh, surtout que l'allure 4.36 c'est une allure qu'on veut viser à la fin de la prépa et là on, on donne cette allure dès le début donc pour moi ça fait pas de sens, deuxième problème de ce plan c'est le parti pris, à mon avis il y a trop d'intensité et pas assez de volume alors que pour le marathon on veut pas mal l'inverse, donc voilà j'aurais peut-être changé ça mettre une séance de plus et mettre un petit peu moins d'intensité, troisième point négatif c'est au niveau de la progression des allures comme je vous disais, on voudrait une meilleure progression des allures, c'est-à-dire commencer plus facile que le pace marathon pour finir un peu plus vite à la fin de la prépa. Là c'est toujours pareil, mais encore une fois c'est normal, hein. c'est un plan gratuit, on peut pas faire des miracles non plus. Autre point négatif que j'avais noté, il bah, y a un peu trop de côtes à mon goût, c'est bien une séance de côtes de temps en temps, une fois par mois, mais là que des séances de côtes toutes les semaines pendant cinq semaines, c'est vraiment dommage, c'est plein de séances que vous pouvez pas faire. À mon avis, c'est même mieux de faire un jog de 1h20 à la place de ces séances et de caler euh, 2-3 côtes à la fin, ou même 2-3 sprints à euh, 90% de votre vitesse max avec beaucoup de récup. Ça suffit, en fait. Pour un marathonien, on n'a pas besoin de faire trop d'intensité, encore une fois. Et dernier point, c'est que ça manque d'explications. Un plan, c'est bien, mais le plus important, c'est de bien exécuter le plan. Et là, clairement, j'aurais aimé plus d'explications sur... Euh, pourquoi cette vitesse-là euh, Les codes d'efforts euh, C'est quoi le but d'un plan marathon Bref, je ne demande pas non plus un pavé ou un article de blog, mais juste des petites notes comme ça qui auraient été vraiment, à mon avis, avantageuses pour bien respecter le plan. Donc voilà, question finale, est-ce que je recommande ce plan, le plan du Marathon de Paris, le plan officiel qui est disponible gratuitement Si vous voulez faire 3h ou 3h15, je pense que vous aurez une meilleure chance de prendre un plan chez un coach qui vous fera un truc personnalisé, quelqu'un qui a de l'expérience sur le marathon. Je ne dis pas que Olivier Gaillard ou quoi, il connaît pas, hein, pas du tout. Je suis sûr qu'il ferait des plans totalement différents si n'était pas dans ce contexte-là. Je vous dis juste que si vraiment c'est important pour vous la course, investir un peu d'argent pour avoir un plan qui est vraiment vraiment fait pour vous, ça va clairement vous aider. Ce plan, peut-être qu'il va marcher pour certaines personnes, mais c'est certain que pour d'autres personnes, ça marchera pas du tout, pour toutes les raisons que j'ai évoquées. Donc voilà, c'était mon avis. J'espère avoir été objectif et pas trop dur. Encore une fois, hein, ce n'est pas la personne qu'on critique, c'est le plan. Merci de m'avoir écouté. Si vous aimez ce format, dites-le moi. Si vous avez d'autres idées, encore une fois, je suis super ouvert, j'adore faire ce format. Merci à vous, on se voit dans une prochaine vidéo. Ciao